Je suis rentré là pour partager une parole à vous. Une parole qui sortit dans mon Dieu. On nous ouvre la Bible ensemble. Dans le livre Proverbe, chapitre 12, verset 27, la Bible dit: le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Version créole dit: paresseux a toujours grand, mais toute richesse yon moun, c'est activité. Je dis à vous attirer l'attention sur une parole ça. Moun qui paresse, moun qui parle de faire rien, yon toujours gon esquisse pour échec yon. Si nous voulons citer ça yon seulement, yon qui kon dit, c'est à cause famille m'souti. Yon l'autre même qui dit, c'est à cause pays m'a vive. Mais après midi, jodi, nous voulons connaître, selon sa parole, bon Dieu déclaré et dit: richesse d'un homme pas dépend de famille. Richesse d'un homme pas dépend de pays qu'il y a. Mais richesse d'un homme sorti dans activité. Richesse d'un homme sorti dans ça la fait. Zami, qui ça va t'en? Jeune garçon, jeune fille. Qui ça va t'en pour prendre la vie au sérieux? Dans même livre Proverbe blanc, il écrit: richesse yon homme c'est protection li, mais moun ki pauvre yo pa gen ken protection. Mba konn combien fois yo jou ak dignité. Mba konn combien fois yo passe ou en papier parce qu'ou pa gen rien, parce qu'ou pa ka bay rien. Jodi a prend décision ça. Di m'ap lever, m'ap camper, m'ap créer une activité. Parce que activité ou c'est source richesse ou. Ça va faire c'est source richesse ou. Prospérité ou pas dépend des familles que vous sortez. Lancement la vie ou percée économique ou pas dépend des pays où vous vivez, mais il dépend de ça vous faites. Il dépend des activités ou il dépend du travail. Donc l'autre fois encore jamais, pas jouer avec la vie ou pas arrêter coucher, pas arrêter gagner, pas arrêter à plaindre, pas arrêter à crier. Lever, camper, demander bon Dieu force pour créer une activité. Pour fond travail, parce que bénédiction la vie, les reposer dans sa wafè. Shalom, shalom.